Isso? Si vous voulez, vous pouvez vous approcher un tout petit peu. La façade est là, donc faut faire une limite un peu imaginaire à partir de cet endroit-là, sinon si vous avancez plus, vous n'entendrez pas la voix, mais tout le reste.
Merci beaucoup. Donc, on s'appelle Alexandre Valdez et la prochaine s'appelle Sunday Ferrand. Oh,
Prochaine pour Alice. Entre les chansons, mais on est un peu pris par le temps, donc en fait, soit on fait les petites blagues, soit on joue une chanson en moins, soit on joue tout le morceau et on fait pas les petites blagues. Voilà, ça, c'en était une de la liste. Thank you.
Simon s'est permis il y a 5 minutes de faire une de ces petites blagues prévues au programme. Eh bien, vous n'en saurez jamais rien, mais en fait, nous avons retiré la chanson suivante, car il a perdu du temps avec sa petite blague. Et il va enfourcher sa belle guitare acoustique. Ouais. C'est pas, voilà. Regardez comme il est beau avec, il est tout gêné. Pour deux morceaux de cette guitare. Ça fait un peu un blanc dans le concert. Change ta guitare. Un peu surtout qu'on a vachement enchaîné avant. Maintenant c'est l'instant petit réglage technique. Je pense que vous n'entendez pas beaucoup de guitare acoustique. Si, si. Mais vous trichez parce que vous êtes prêts aussi. Vous avez donc senti une différence. Voilà, voilà. Donc la prochaine est nouvelle. Pour l'instant elle n'a pas de titre et elle est dédicacée par Martin à Claire. Ever since you're out of sight, feeling.
Merci beaucoup. Le changement inverse de l'acoustique à l'électrique est censé être plus rapide, mais comme j'en profite pour me réaccorder, en fait, non. Alors, si vous trouvez que Simon se réaccorde trop pendant les concerts, n'hésitez pas à lui signaler à la fin. Je pense qu'il faut qu'on travaille un petit peu là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Lundi soir. Oui. Oui. Ça va être bien. Tu m'étonnes. La prochaine n'est pas une reprise des Pixies, c'était pour qu'Antoine se prépare. We'll be right back.
5 minutes. Si quelqu'un qui a une chanson de 3 minutes et qu'il a une proposition à faire. On va faire un truc un peu idiot, mais on va jouer une chanson qu'on a composée avant-hier soir, qu'on a jouée une fois. Attendez. C'est notre chanson la plus brillante, elle dure 1 minute 30. Donc c'est...